Bonjour, nous sommes Alfie et Patrick. Vous voulez en savoir plus sur la fonctionnalité des toilettes à séparation Trobolo et le rôle du système de séparation? Alors regardez cette vidéo. Toutes les toilettes à séparation Trobolo fonctionnent selon le même principe. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un Luftblowem. Il y a un abattant et un siège de toilette. Et comme vous pouvez le voir, la position assise est identique à celle des toilettes conventionnelles. La seule différence, c'est que les toilettes à séparation Trobolo fonctionnent sans eau. Elles n'ont donc pas besoin d'être raccordées au réseau des eaux usées et n'ont pas de chasse d'eau, mais un séparateur d'urine. Ici, on voit un séparateur d'urine intégré dans un Trobolo. Il est parfaitement adapté à l'anatomie humaine, donc la séparation se fait naturellement et sans aucun contact avec le corps. Le séparateur est fait en plastique durable et il permet de séparer les matières liquides des matières solides. L'urine s'écoule donc vers la zone située à l'avant, alors que les selles et le papier toilette finissent à l'arrière. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment faire pipi assis, même pour les hommes. Le séparateur permet d'éviter les produits chimiques qui sont nocifs pour l'environnement. Et la séparation des selles et de l'urine permet aussi de réduire au minimum les odeurs qui ne se forment que quand ces déchets sont mélangés. Grâce à cette séparation immédiate, ces déchets peuvent être éliminés facilement et de manière écologique, ou encore utilisés comme fertilisant naturel pour les plantes. Si vous avez d'autres questions ou voulez plus d'informations, abonnez-vous à la chaîne YouTube Trobolo. À bientôt avec Elfie et Patrick.